Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un durcissement des identités. Les gens sont beaucoup plus dans l'absolu. Ils pensent ça. Ils disent, oh, moi, je pense. D'accord, tu penses ça, mais enfin, je peux penser autrement. C'est cette dimension, alors qui vient de Mauss, je suis sûr, de toujours décaler le regard, de jamais considérer qu'on est dans un monde absolu où il y aurait un seul espace de vérité. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de vérité. La vérité, c'est plutôt une approximation qu'on nettoie, quoi, pour qu'on ait de moins en moins, pour qu'on resserre. C'est une perspective plus qu'un acquis comme ça. Il y a une vertu démocratique dans l'anthropologie, une vertu en tous les cas, sinon démocratique, en tous les cas de liberté, quoi, de ne pas se laisser enfermer. Et en comprenant bien qu'on est dans une époque, dans un moment, que tout ce qu'on est, ce qu'on aime, ce qu'on fait, pourrait être fait autrement, dans d'autres contextes. Et sachant que notre génération, c'est aussi votre, etc., on n'a pas connu la guerre et on n'a pas connu les camps. Donc déjà, ça nous rend beaucoup moins sérieux. Hein. C'est beau. Tout ce qu'a été la lecture autour des camps de concentration à partir des années 80, là, que je mène à partir de ce moment-là, a été un élément aussi de réflexion pour l'anthropologie elle-même. C'est-à-dire un rapport entre la morale et l'anthropologie, est-ce qu'on aurait pu faire une ethnographie des camps, et puis le problème des sociétés dans des situations extrêmes. Si on pousse plus avant l'idée d'une ethnographie à chaud, d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire qui essaye de rendre compte de ce qui est en train de survenir ou de ce qu'on est en train de vivre, soit individuellement, soit surtout collectivement. Un point limite m'est apparu assez vite, et l'expérience de la Nouvelle-Calédonie m'a conforté dans cette voie, c'est l'expérience des camps. Parce que, à quelles conditions on peut rendre compte d'un dispositif de terreur et de massacre pareil. Et d'abord, est-ce qu'une ethnographie est possible? Et deuxièmement, que devient l'humain dans l'inhumain, quoi. Voilà. Et donc, et même si la question coloniale, je l'ai abordée, je n'ai pas été affronté à ça, quand des gens qui se battent pour leur cause, qu'on considère juste, se font tuer, c'est plus tout à fait de l'ethnographie, si vous voulez. On a l'impression que l'objet d'étude, c'est aussi un sujet, que ce sujet, il a pris des risques, et qu'il se fait tuer. Donc, de toute façon, pour moi, l'ethnographie, dès le début, ça a été une expérience de la mort prématurée. Parce que les gens ont une espérance de vie beaucoup moins grande. Emmanuel Léonin, il est mort. J'ai travaillé trois terrains avec lui, puis après, il est décédé. Plein d'autres, un dont je parlais là, à propos de Cédric Bill, là, ce monsieur Wenemou qui est aussi décédé. Des gens qui meurent jeunes, qui disparaissent subitement. J'ai aussi un ami dans notre groupe de lignage, là, fils qui est mort d'un cancer là, il y a 2 ans, on est très affecté parce qu'on est
on est famille, quoi. On est complètement entré dedans, et donc ça a un coût affectif, et souvent c'est à cause de... Bon, il y a les affrontements, mais il y a aussi les déficiences sanitaires, il y a aussi puis quelquefois l'obstination aussi des Kanaks à vouloir se soigner par la médecine traditionnelle, nos feuilles, comme ils disent, nos herbes, etc. Et puis, bon, face à des maladies beaucoup trop violentes, ça ne marche pas, quoi. Donc, je me suis interrogé là-dessus. Et notamment, alors, il y a une ethnologue qui peut nous servir de vecteur. D'ailleurs, j'étais à un colloque avec Bromberger sur ce thème, qui avait été organisé par Tassadit Yassine, le colloque sur Germaine Tillon. Voilà. Germaine Tillon, ethnologue de l'Algérie, ancienne, des années 30, etc. Et puis Germaine Tillon, qui rentre au CNRS là-dessus, et qui finalement bascule complètement après Ravensbrück, et qui va passer toute sa carrière au CNRS à écrire, à réécrire les trois éditions de son Ravensbrück, donc qui est quand même cette expérience humaine exceptionnelle. Il y a aussi Jack Goody, il a été dans un camp de prisonniers, mais il a aussi décrit la condition des camps. Et donc, si vous voulez, une ethnologie de l'extrême est quelque chose d'assez important, parce qu'on établit des règles. Les règles de, je sais pas, les règles de la parenté, les règles élémentaires de la parenté, les ordres symboliques, donc on peut voir comme des systèmes de transformation, comme les vices, tout ça marche bien en temps de paix, quand on est tranquille, à l'abri, ou après coup, une fois que il reste... Et voilà, je ne sais plus qui disait... je crois que c'est Richard White, là, c'est un middle ground, quoi. L'ethnologue, il arrive quand il n'y a plus personne, quoi. Donc il va écrire à l'imparfait, de toute façon, parce qu'il va écrire la mémoire des Indiens quand il ne reste plus que trois Indiens, quoi. Bon. Donc, cette difficulté à décrire... Oui, l'ethnologue va décrire des univers qui marchent, et il a tendance à penser que la société marche. Donc, on dit ça marche, voilà. Mais en fait, ça ne marche pas tant que ça. Et Marc Auger, Ballanguier le montre bien, puis des fois ça ne marche pas du tout, puis des fois c'est catastrophique. Il y a des femmes qui sont tuées, des gens qui sont expulsés, et la société kanak, comme les autres, a ses zones d'ombre de ce point de vue-là. Alors qu'est-ce que fait l'ethnologue de ces zones d'ombre, voilà. Alors quand c'est les camps, évidemment c'est une ombre massive, quoi. Mais ça met en cause à la fois la méthode, la théorie, et je trouve que j'ai souvent dénoncé, pour moi-même y avoir contribué, il contribuait parfois encore à l'élément d'enchantement. L'ethnologie enchante les mondes. Voilà. Elle valorise. Voilà. Donc, quand j'ai. Après toute cette période des événements en Nouvelle-Calédonie, j'ai rassemblé dans un bouquin, là, Chronique Kanak. Chronique Kanak, l'ethnologie en marche, j'ai rassemblé les textes que j'avais écrits à ce moment-là et qui marquent là vraiment une réflexion à chaud sur mon implication. Voilà. Que ce soit un texte sur le racisme après le massacre d'Ouvéa, c'est difficile de ne pas écrire dans un grand état de colère, que ce soit des textes plus soft sur le travail avec Renzo Piano, que ce soit des textes sur les positions politiques du Front de Libération Kanak Socialiste et l'évolution de ces positions politiques, sur le foncier, etc. C'est-à-dire des textes qui étaient écrits non pas pour des ethnologues, mais dans des journaux, des revues, des entretiens qui m'étaient demandés, parfois par des anthropologues, parce que cet intérêt pour...
l'ethnologie inconfortable, dans des situations inconfortables. Il y a un bouquin, je ne sais plus, là, il y a Agier qui a écrit là-dedans sur les ethnologues dans des situations difficiles, si vous voulez, hein, ou comme Christian Geffray qui travaillait sur le trafic de drogue, ou celles et ceux qui travaillent sur la mafia. Ça a ses limites quand même au bout d'un moment, ces choses-là. Et donc, moi j'ai essayé de rendre compte, voilà, de publier ça, et ça permettait d'ouvrir à de nouveaux terrains, que ce soit une anthropologie plus urbaine, la jeunesse, l'alcoolisme, les accidents de voiture. Qui sont aujourd'hui des thèmes qui sont récurrents dans les intérêts des étudiants, les problèmes de santé, les problèmes de violence familiale, les problèmes du rapport à la justice. J'en ai fait d'autres après aussi sur ces questions-là. Tout ça, évidemment, ça bouleverse un peu les schémas de l'anthropologie habituelle. Alors, dans la perspective qui était la mienne, j'ai toujours quand même gardé mes acquis de formation, qui étaient l'ethnolinguistique, la parole kanak, en situation, etc. Et en même temps, je voulais coupler ça à une perspective historique. Alors, une perspective historique contemporaine. Je pouvais difficilement coupler les récits de fondateurs des clans aux événements de 84 en Nouvelle-Calédonie. Par contre, je pouvais prendre un point de vue sur une période historique antérieure à propos de laquelle les Kanaks s'étaient exprimés, non pas seulement pour raconter l'histoire de leur clan, mais pour raconter l'histoire d'événements qu'ils avaient vécu. Et de ce point de vue-là, l'angle d'attaque que j'ai trouvé sur le terrain, d'ailleurs à travers le film, à l'occasion du film que j'ai réalisé comme co-auteur avec Jean-Louis Comolli, Les Esprits du Cognambo en terre kanak, qui est sorti en 2004 et qu'on a tourné en 2002 et en 2003, autour du massif du Cognambo, de ce massif que les Kanaks avaient en charge pour en préparer l'exploitation. Donc en 2002, ce n'était pas encore lancé, l'exploitation. Et je me suis aperçu que toutes les informations que je recueillais convergeaient vers un point qui était la guerre de 1917, une révolte kanak qui s'est développée entre 1917 et avril 1917 jusqu'à décembre 1918. Donc, quand même assez longtemps, et qui a secoué la zone dans laquelle j'ai travaillé et dans laquelle j'ai recueilli beaucoup de chants, de poésie, et ce qu'on appelle des ténons là-bas, T-E-N-O, accent circonflexe si on veut, ténons. Ténons, ça veut dire la rumeur, l'histoire, l'anecdote, mais ça veut dire aussi, c'est un genre littéraire narratif en vers de 8 pieds. Voilà. Et quand j'étais avec Jean-Louis Comolli sur le thème, on faisait des entretiens auprès de gens que je connaissais déjà, hein, je l'emmenais dans mes valises en fait. Comolli, je disais, vous filmez, je continue à travailler comme d'habitude, puis on voit. Et on parlait du massif du Cognambo, sur ce massif, il va y avoir une usine, etc. Enfin, il va y avoir une usine qui va être dans le prolongement du massif et il va y avoir une exploitation du nickel sur ce massif qui a été réouvert au nickel. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais le massif, il appartient à 4 clans. Et puis, nous, ça nous remue parce que il y a eu la guerre de 1917. Et si on n'avait pas été chassé en 17, on serait au pied du massif aujourd'hui, alors que maintenant, on est tribus reculées, etc. Et donc, je me suis aperçu que la guerre de 1917, engagée par les Kanaks, on va voir pourquoi, avait été
préjudiciables aux Kanaks, au sens où la répression les a chassés des derniers espaces qu'ils occupaient, soit des petites réserves. Les Kanaks avaient eu tendance à s'installer en dehors des réserves aussi. Et comme c'était des endroits un peu isolés et perdus, on ne les pourchassait pas nécessairement jusque-là. Et là, il va falloir qu'ils rentrent dans leurs réserves bien tranquilles jusqu'en 1946. La répression va être disproportionnée par rapport aux exactions et aux attaques commises de colons isolés ou de gardiens de mines, etc. Et donc, je me suis dit, bah oui, 1917, en plus, il y a ces poésies. Alors, je leur demande, je leur dis, mais sur 1906, ils me disent, mais on t'a raconté que ça. Dans toutes les poésies qu'on t'a racontées, toi, t'es arrivé 56 ans après. C'est ça qu'on raconte, parce que notre histoire, c'est 17. Tous les endroits où on se trouve aujourd'hui, entre ceux qui ont pris les armes en 17, ceux qui sont restés du côté des Blancs, ceux qui sont restés neutres, ceux qui étaient païens, qui sont devenus protestants, parce que là encore, les missionnaires, il fallait qu'ils raflent la mise, hein, c'est-à-dire profiter de la guerre de 1917 pour évangéliser les personnes qui avaient encore échappé à l'évangélisation. Donc je reviens chez moi, j'écoute mes documents. Mon terrain, ça devient mon bureau, si vous voulez. Il y a plus de choses dans le bureau que sur le terrain. Enfin, j'exagère, mais il y avait beaucoup de documents. Et je me dis, je vais essayer de faire une anthropologie historique à partir de la façon dont les Kanaks ont pensé un événement guerrier, qui est un événement du XXe siècle, donc qui est lié à la guerre de 14, alors pourquoi. Et donc je retourne sur le terrain en essayant d'avoir des récits en prose de la guerre de 17, par des gens qui avaient connu des gens qui l'avaient faite, parce que 17, mon père il est né en 17, des gens qui auraient eu l'âge de mon père, c'est leurs parents qui avaient participé à la guerre. Et donc, alors pourquoi c'est lié à la guerre de 14 ? Il y avait aussi un enjeu dans le contemporain mondialisé, c'est parce que c'est lors de la seconde tentative de conscription forcée des Kanaks qui a lieu en 1916, la première a lieu en 1915. Fin 1916, c'est Verdun, donc l'hécatombe barbare qu'on connaît. Et à ce moment-là, le gouvernement français dit il faut qu'on recrute davantage de soldats en Nouvelle-Calédonie et on va procéder. Alors c'était des semi-volontaires, des gens où les embobinaient, on vous donnera des terres, peut-être même la citoyenneté, vous partirez en France, vous aurez une formation, je ne sais pas quoi. Et je ne sais pas si on parlait beaucoup de formation à l'époque, sûrement pas. Et c'était Maurice Lénard, donc le pasteur Maurice Lénard, qui était un farouche nationaliste pour fournir des soldats à l'armée française allant se battre contre l'Allemagne et ses alliés. Et donc, il y avait aussi une mémoire de la guerre de 14, du coup. Parce que les Kanaks, il y en a qui sont partis, 400 qui sont morts, il y en a qui sont revenus, et il y en a qui ont écrit beaucoup, en disant, il ne faut surtout pas venir, ça passe l'entendement, on n'a jamais vu ça, on tue des gens qu'on n'a jamais vus et qui sont chrétiens. Ça les étonnait beaucoup. C'est bizarre, on nous disait, mais vous les autres, et puis on s'entretue entre chrétiens. Alors il y a quelque chose dans la théorie là qui ne marche pas. C'est vrai d'ailleurs, c'est radical comme point de vue. Donc, quand la conscription nouvelle s'ouvre début 17, il y a des Kanaks qui refusent, qui prennent le maquis, si on veut, qui se cachent, etc., et qui commencent à s'en prendre. Parce que qui est-ce qui faisait le recrutement ? Bon, Lénard, il allait demander, il y avait le syndic des affaires indigènes, et puis ils allaient demander au chef administratif, ces chefs dont j'ai parlé tout à fait au début, inventés par la France pour exercer l'autorité coloniale à travers le monde kanak, si vous voulez. Donc les kanaks dépendants de ces chefferies s'en prennent à ces chefs en disant, écoutez, ça va, quoi, on n'a pas envie de se faire tuer, pourquoi vous faites ça ? Les chefs sont contestés, certains finalement
opte pour la révolte de 17, rentre dedans. Puis il y avait des grands chefs qui dominaient des petits chefs, un petit chef par réserve, on appelait tribu, mais c'est des réserves. Et là, il y a des gens qui se disent, bon, bah, on ne peut plus accepter ça, on ne peut plus accepter ça. Du coup, les chefs de clan qui avaient été écrasés par les chefs administratifs se révoltent contre les chefs administratifs. Donc c'est des chefs de clan qui s'engagent dans la guerre de 1917, qui recrutent à l'intérieur de leur clan, comme lui, là, Boué-Noël, là, voilà, Boué-Noël Poitimba. Et il se lance dans des attaques de colons isolés, des attaques de sites miniers, et des attaques très ciblées. Il y a eu 20 morts, bon, c'est trop, mais enfin voilà. Et en même temps, il y a des colons qui essayent de profiter en se disant si les Kanaks se révoltent, on va pouvoir récupérer les terres. Donc il y a un colon qui s'appelait Gros, là, qui va récupérer les terres le long du Konyambo, au pied du Konyambo. Après, elles sont revendues, ils n'ont toujours pas, hein, ils n'ont pas ces terres-là. Aujourd'hui, il faut passer chez le colon pour y aller, comme on le voit d'ailleurs dans le film qu'on a fait avec Comoli. Donc, je me lance dans cette opération éditoriale en même temps assez particulière, parce que je dis à mon éditeur, je dis, ben voilà, il faut qu'on publie à la fois en français et en païti. Donc voilà la langue païti et voilà le français. Et on va, donc il y a 20, il faut sélectionner évidemment des textes, il y a 21, 22 narrateurs, une narratrice et Anaïs Dinguet. Et on va raconter l'histoire des Kanaks par les Kanaks. Dans le souci de ce que les Australiens avaient appelé une histoire guitable. Une histoire où, après tout, l'histoire coloniale, c'est toujours raconté du même côté. Là, on pourrait avoir le point de vue autochtone. Et, voilà. Et donc, je me lance dans cette entreprise, un peu comme toujours, sans trop savoir où je vais. Et je me dis, bon, sur l'histoire de 1917, il y a un historien majeur, le plus important, le meilleur connaisseur, qui s'appelle Adrian Muckel, qui est un néo-zélandais que je connaissais, et je lui demande s'il ne veut pas écrire 100 pages où il raconte cette histoire lui-même, à partir des archives. Alors c'est un micro-historien. Donc micro-historien et anthropologue sont faits pour s'entendre. Qui c'est celui-là? Celui-là, on l'appelle T1 le Rouge. Ah oui, mais c'est un vieil état, etc. Enfin, je peux à chaque fois identifier les gens, alors que lui, il n'a pas les moyens d'identifier dans les archives. Que les gendarmes, ils notent comme ils peuvent. Il y a des choses importantes dans les archives, mais il y a le côté kanak est en creux, si vous voulez. Là, je le fais remonter, donc il publie, il écrit 100 pages sur cette histoire, et ensuite, moi, je publie les voix de mes narrateurs, à la fois en prose, certains, je leur demande de raconter l'histoire, ou alors plus encore en vers, puisque dans ces poésies ou ténons que j'avais recueillis, que Jean-Claude Rivière et ou moi-même avions recueilli, ces textes en vers racontent des épisodes de la guerre de 17. Parce que ce que je comprends, ce que les Kanaks me confirment et me disent aussi, c'est que nous, l'histoire, ce n'est pas dans les récits mythologiques fondateurs. Ça, c'est les vraies paroles, c'est un côté constitutionnel. Quoi. L'histoire, c'est dans les ténons. C'est un peu comme vous, les chansonniers. Voilà. C'est dans ces poésies qui pouvaient être chantées et où on raconte les faits, voilà, ce qui s'est passé. Mais on raconte les faits à travers une langue retravaillée, une langue poético-littéraire. Et donc, je vais publier dans cet ouvrage des poésies, et dont deux très grandes, une de 600 vers, l'autre de 850 vers. Une pour moi orale, que Jean-Claude Rivière avait recueillie, puis moi aussi une autre version après, et une autre qui avait été écrite, donc je n'ai pas de version orale, mais j'ai des versions orales de gens qui savaient des morceaux par cœur, qui a été écrite à l'issue de la guerre de 1917, mais du côté des auxiliaires qui ont aidé les Blancs. Mais qui était
plus proches des missionnaires, et donc il y en a deux d'entre eux qui, pendant 2 ans, se mettent dans une case et écrivent ce ténon, commence la fraîcheur par ici, s'enfuit l'ombre en s'étirant, disperser racines des nuages, nettoyer les saletés sacrées et mise en terre l'herbe de guerre. Bon, donc je dis, nous, Jean-Claude Rivière a fait des premières traductions, moi j'essaye de finaliser ces traductions, et puis à la fin, je passe un an, je les finalise au maximum en restituant, je les traduis en vers de 8 pieds, pour avoir le souffle de... Voilà. Et alors ce bouquin, il paraît en 2015, il fait 720 pages, il est un peu trop gros, l'éditeur joue la carte complètement, j'ai une subvention importante de la ministre de la Culture de Calédonie, qui est cette Dewe Gorodé, poétesse qui avait été emprisonnée avant les événements là, à Montpellier, et qui est de langue païti aussi, qui est intéressée par le projet. Et alors ce livre arrive en Nouvelle-Calédonie en 2015, et moi, il sort en juin, je dois arriver en Calédonie en septembre, et là, ça fait un ramdam pas possible. Le livre est très bien reçu par les Kanaks. En plus, on met un CD avec ses poésies récitées, ses récits qui sont faits, des photos des narrateurs. Puis je fais un truc très circonstancié, très précis. Le maire, mon fils, là, Joseph Grandmindeau, lui aussi raconte sa version de l'histoire parce que son grand-père avait participé à la guerre en tant que protecteur du chef et emprisonné 5 ans à Nouméa. Et j'analyse avec l'aide aussi d'Adrian Muckel, l'historien, et j'ai travaillé avec donc un Kanak, Katchoué Yvon Gorlamwendo, qui professeur de païti maintenant au collège de Koné, enfin, et qui s'avère un traducteur formidable. Et du coup, il va venir 4 fois ici en France pour qu'on puisse travailler aussi en France. Et ce livre, voilà, il a un certain retentissement chez les Kanaks parce que là, ils sont de plein pied. J'interviens très peu, je fais des commentaires, mais toujours très précis. Je fais un petit état des lieux de ce qu'on sait de la société Kanak. Je fais des choses assez synthétiques. J'essaye d'écrire ça le plus clairement possible. Et c'est à la suite de ce livre qu'aujourd'hui, on me demande de continuer. Mais ce sont les Kanaks qui financent le billet d'avion et les frais de recherche, quoi, les indemnités, les remboursements des frais, et en me demandant de faire la même chose avec d'autres catégories de textes. Et là, je mets en œuvre une sorte de politique, hein, une politique équitable, qui à la fois on est dans la science, dans la rigueur, et dans le rééquilibrage des paroles entre eux et moi. Voilà. Et donc, bien m'en a pris de faire ce livre 2 ans avant ma retraite, et maintenant je rebondis avec ce bouquin, dont on espère une traduction en espagnol et en anglais assez vite.